Bonjour tout le monde et bienvenue pour cet épisode numéro 4 sur GTA V, un jeu bien reconnu de tous et tellement jouissif. On va continuer donc l'histoire et aller voir essayer de braquer une banque parce que ça c'est bon ça. Ça on aime. Du coup, c'est parti. Ok, well. On va braquer une banque. On va aller voir Lester. On va pas prendre cette voiture toute pourrite. On va aller. Il y en a sûrement une qui va passer. Putain, il y a que des vieux camions là. Attends. Toi là. Ta voiture, je la veux. Ah, merci beaucoup. Allons voir Lester. Allos Santos. Hop. Parfait. C'est parti, mon kiki. Beau petit moteur à l'arrière de la voiture. Ça fait toujours plaisir. C'est pas là. C'est là. Hop. Waouh. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Non. Ah. Elle est où? Rebel Radio, Soulvox FM, East Los Santos. Ah, bordel! C'était tout calculé, tout va bien. West Coast Classic. Ah! Poussez-vous! Un peu de funk? Pour le fun? Pour la funkitude? Wow, ça passe! Easy. Oula. Ça passe. Ah putain de merde. Ça passe pas. Je peux pas toujours passer aussi. Hein. Je vais être un dieu de la conduite, tout ça, mais voilà. Hein. On va se calmer un peu. C'est juste là. Hop là. Parfait. Je sais un peu à la bourse. Voilà un lien pour t'aider. Achète à bas prix et revends au prix fort. Oui, bah tout à fait. Je suis d'accord, mais là je peux rien gagner pour l'instant en fait. J'ai regardé sur internet en attendant. Ah, fuck, j'avais oublié ça, putain, chier. J'ai oublié de me changer, bordel de merde. Oui, moi aussi, je perds du temps. Hein. C'est quoi, t'es pas le seul. Bon, du coup, on va aller là. Peut-être qu'on pourra acheter un costard en mode tranquillou. Tranquillou-gilou. On va mettre une tenue chic. Oui, ça va. J'y vais. Hop. C'est parti. Je veux jouer avec Franklin. Terrible. Enfin, je pourrais, hein, mais... Bon, là, je suis parti sur Michael, donc je vais continuer avec Michael. Mais... Tourne. Brutti. Wow. Ça passe. Tranquille. Bingo. Qu'est-ce que tu veux que je trouve des trucs là-dedans, moi? J'aurais jamais un costume cravate là-dedans. Si. Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Bingo. C'est de la merde, Bingo. Vêtements discount. Ouais, ok. Pons and Boys. Peut-être que je trouverais plus Suburban. Non. Ouais, je pense qu'à Pons and Boys, je pourrais trouver. C'est plus près de Vinewood, tout ça. C'est plus chic par là-bas. Allons-y. Allons-y. On va essayer de bien conduire, pour une fois. Salut! Pour l'instant, ça va. Je conduis pas si mal. Plutôt content de moi. Pour une fois. Get lucky. C'était calculé, mec. Pas de chance. Ah oui, là, ça m'a l'air beaucoup plus chicos, là. Oui, parfait, excellent. Quoi? Ouais, c'est ça, casse-toi. Connard. Pardon, c'était une erreur. J'aurais jamais voulu, je voulais pas faire ça. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter, disons?
Est-ce qu'on achèterait pas un truc ici? Qu'est-ce qu'on a là? Des costumes, ouais, ok, costume noir, très bien. Ça, ça coûte cher. C'est pas grave, j'ai un peu de thunes. Qu'est-ce qu'on a là? On a des t-shirts, vêtements de sport. Alors les costumes, ah, il y en a plus là. Il y en a plus, mais ils sont pas forcément... Qu'est-ce que c'est que ce vieux Bermuda là? C'est une blague. Ok, on va partir sur du classico del Madrido. On va partir sur ça. Très bien. Ah ! Allez, j'ai dit ça. Très bien. Mieux, beaucoup mieux. Je vais me mettre un petit polo, quoi, tranquillou. Bon, on va passer. Pas perdre trop de temps non plus. On va retourner chez notre ami Lester. Yes, c'est parti. On va pouvoir commencer cette petite mission. Calm down. Quoi, qui c'est ça encore? C'est qui me casse les couilles. Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about. Comment il fait pas avoir mon numéro, ce délire? What you do is your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Ah! You proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Ouais. C'est ça. Mais je l'aime pas trop, ce mec. Genre, il est marrant, hein, mais bon. On verra, on verra. Si je le prends ou pas. La petite société écran, tranquillou. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository, and they say it cannot be hit. Has it been yet? Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. What do you think? Petite batte de baseball dans le bras, tranquille. Hit a bank in the sticks, or we do a store. Which do you like? Well. Store's usually easier, but I gotta make a big take. Well, gem as it is, then let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies—they mostly just disappeared. That crew from the south—they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. On parle bien de celui de GTA 4, hein, c'est ça? We're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Ça me va. Ils m'ont refourgué cette voiture là, quoi. Ils sont sérieux. Allez, dépêche-toi. The jeweler's is on Little Portola. Mm-hmm. Pardon. Pour la voiture. La vieille Audi toute pourrie. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hill. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but it's there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay.
I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Ça me va. On va faire un peu d'enquête. Putain, la gueule qu'il a avec les lunettes, quoi. Salut. Tout va bien. C'est là? Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté de la rue, c'est une blague. Pourquoi il m'a fait me garer là? On va faire ça, t'inquiète. Angelico. Ah oui, en effet, ça va être une bonne petite... check, alarm check, vents check. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Okay. Let's do this. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Comme si tu savais ce que ça voulait dire. I think you just made a sale. I'm going to take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Allez, salut. Je suis ici pour voler votre bijouterie, les gars. Pas de soucis, aucun. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Je pense qu'il a déjà une idée de ce qu'il va faire. Moi, je le sais, mais le savez-vous? Il faut qu'on aille sur le toit, je pense que si on passe par derrière, ça devrait peut-être le faire. Je ne me souviens plus trop. Non, pas par là. Ah, par là. Eh oui. Allons-y. Quoi, remonter dans votre voiture? Putain, mais sérieux, il faut que j'aille là-haut. Monter sur le toit, bébé. Merci quoi. Tout ça pour ça, il veut juste que je me gare à peu près bien. Bon, en activant une alarme éventuellement, mais bon. Come on. Passe cette putain de porte. North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? I'm on the roof. All right, use the glasses to get me a shot of Evangelico's roof unit. It'll be right above the store. Okay, buddy. Prenez de la hauteur. On va faire ça tout de suite. Est-ce que ça suffit ici ou pas? Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Oui, je peux éventuellement. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. J'arrive. Mais je peux pas monter là-haut. Ah non, là-bas. Ok, buddy. Non, tu peux pas sauter là comme ça. T'as un Yamakazi, un ninja. Ninja. Ok. So. That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Okay, that'll do. But come back to me before someone spots you up there. T'inquiète, gros. Belle photo. Oui, oh, ça va, on a pas le droit de s'amuser. Bon, je vais éviter de sauter de là. Ah, boum. Parfait. La grosse trace de sang, tu sais. Ouais, c'est vraiment pas Yamakasi, lui. Hop. Tout va bien. Je contrôle la situation.
J'arrive, Lester. Ne m'abandonne pas à mon triste sort. Hop. Ça va, ta gueule. Ferme bien ta gueule des fois quand même. Tu m'énerves. Moi je fais ce que je peux, ok? C'est pas comme si j'étais non plus un dieu du... Hein, bon. De l'infiltration, je veux dire. Il y en a des meilleurs que moi dans ce domaine-là. Here, take your glasses back. Je suis bien pour prendre des armes et tout le monde. L'usine de vêtements. Ah oui, c'est pour le braquage. Il a une idée qu'il ne m'a pas encore dévoilée, même si je la connais. Poussez-vous. Well, the more valuable merchandise is in the control the car, please. It's in the cabinets in the center of the store by the register, so I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof. It means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, aye. Go in when it's open, then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. Oh, c'est pas un amateur, mec. Il conduit tellement bien. Je peux tout faire avec lui. Here are the photos. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Okay. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that... Your domain, my friend. Here. Now, there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. Mm-hmm. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Est-ce qu'on la joue, on la joue subtile ou on la joue bourrine? C'est la question qui se pose. Si je choisis de la jouer bourrine, comment ça se passe? Ah, still a hothead? Some things never change. Ah merde, je voulais juste regarder moi. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Ah, pour le driver, je vais pas trop risquer. 14% c'est beaucoup quand même. Mais en même temps, il est meilleur. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Yeah, it might be hot and heavy in there. This guy, I'll keep it from going bad. Ouais, ça je m'en fous perso. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Plus on reste longtemps, plus on gagne de thunes, non? I met him at the Life Invader office.
He may not be that good, but he's enthusiastic. Vitesse d'accès, décryptage, connaissance. Ouais, vas-y. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If you're happy, I'll start making the arrangements. On y va en manière, de manière bourrine. Ok, bon, bah très bien, écoute. Est-ce que je confie... La dernière fois, j'avais fait de manière subtile, alors du coup, j'avais dit de manière bourrine maintenant. C'est comme ça que je découvrais. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. La réputation d'un mort est pas vraiment la même que la réputation d'un vivant. J'imagine en effet. Ok, très bien. Je vais prendre celle-là plutôt. Ça m'arrange. Franklin. Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Mm-hmm. Maybe one day you can put together your own, jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Ouais, j'avais envie de me balader dans les montagnes un peu. Wouhou! Olé! Salut, Coyote. Je les sens pas, ceux-là. Punk. Punk. Bon, est-ce qu'on passerait pas en mode Franklin, là? Parce que là, il y a plus grand-chose à faire. Au niveau de notre mission principale, on est un peu... short. Inconnu et détraqué, ouais. Non. On va passer en mode Franklin. Allô? Tu pourrais marcher? Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là encore? Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. What? There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Allez, bitch. Oh putain, non, me fais pas ça. Comment j'ai fait pour me retourner ici, quoi? C'est une blague. Bon, bah écoute. Ouais, ouais, ok, ok, on va l'aider. Ouais. Et je suis à 6 minutes. Putain de merde, j'ai perdu ma voiture. C'est génial, la vie est belle. Et j'imagine qu'il n'y a qu'une route toute pourrie avec des voitures toutes pourries. Génial, la vie est belle. Ah, un SUV, ce sera déjà mieux que la petite voiture qui est à côté. Get out now. I'm taking your car. Taking your car. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça pour son problème encore, elle? La meuf, elle me respecte absolument pas, elle me demande de l'aide quand même. Moi, je veux dire, au bout d'un moment, peut-être arrêter les conneries quand même. Poussez-vous, merci. On pourrait éventuellement prendre cette petite Porsche. Je crois que c'est une Porsche. Dans le jeu, ça s'appelle pas une Porsche. Mais... faut que je tourne là. Salut les gars. Oh, bordel de merde. Le virage, quoi. Le drift qui dure 10 ans. C'est impressionnant. N'importe quoi. J'ai pas vraiment beaucoup, beaucoup de temps, les gars, donc... merde, c'était pas par là. Bon, c'est pas grave. J'imagine que je peux sauter ici. Oui. Wow. Tourne. Eh merde. Cascade unique. Bon, changement de voiture. Sors de là. Il sort de là. Putain, je voulais prendre une autre voiture là. Elle est partie maintenant. T'as l'air malin. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre celle-là là-bas.
Salut, j'ai juste besoin de ta voiture. Parce que là, je vais être en retard pour aller sauver ma petite femme. Tranquillou. Ok, c'est parti. Essayons de faire ça vite et bien. Si j'y arrive. Ce serait pas dégueu. Et je vais me prendre le poteau. Mais c'est pas grave. Et je vais me prendre la voiture. Mais c'est pas grave. Ah bah ça va, c'est juste là. Bon bah ça va. Je suis pas si en retard que ça. Putain. Salut. Allez, salut. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. T'inquiète. T'inquiète, Popiette, ça va aller. Mais oui. Easy. J'ai une carte avec le positionnement de tous les flics de la ville. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Rien du tout. Ça va, oh, tu te calmes, je suis en train de... Déjà que je te sauve la peau là parce que t'as fait de la merde dans une sorte de truc de luxe complètement débile là. Putain, elle est vraiment chiante quoi. Pourquoi tu divorces pas mec, franchement? Ça a rien. Go, 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 go. Shut up. Oui, c'est bon. Aïe, merde. Retourne-toi, petite voiture de flic. Merci. On va activer tout ça histoire que les gens nous gênent pas trop. Qui se poussent. Merci. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Can we drive home, please? C'est ce que je suis en train de faire. Who are you to judge me? Mais j'ai rien dit, moi. Calme-toi un peu. No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh yeah. Là oui. Risking prison, getting shot at, love, big love. C'est vous. Et t'as qu'à t'arrêter en plein milieu de la route aussi, tant qu'à faire. Not really, honey. Gros débile. Successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run? Where are you going? You know, I'm sort of thankful for this. Thankful? Hey! Oh, putain. Thankful? This is the worst day of my life. Oh, ouais, sûrement. You're doing your part. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, no shit, Sherlock. Putain, mais elle est insupportable. Ouais, c'est ça. Elle va rester là. Sur les fleurs. Parce que t'es une saloperie de bitch. Bon, moi je vais tuer des gens un peu, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien un peu de tuer des gens. Boum. Voilà, parfait. Ah, on sent de suite beaucoup mieux quand même. Hein. Vas-y. Boom. You die. Boom. You die. Boom. Bunga. À quoi, Bunga? Bon, est-ce que je peux passer sur Franklin maintenant là? Replay. Voilà. Non, je peux pas. Oh, je suis recherché donc il veut pas. Oh, bon, bah tant qu'à faire. Oh, quoi, je l'avais là. Allez, come on. Salut. Voilà, merci pour la voiture. Bon, maintenant je vais faire une petite poursuite. Non, parce que ça me manquait là, j'en avais envie. C'est genre, voilà. Je suis désolé, hein, mais bon. C'était... Ah, trop tentant. Il fallait que je décompresse après là. Mais casse-toi, toi. Tu vois pas que je suis les flics ou quoi? Après la prise de tête avec ma femme, c'est bon, il faut savoir décompresser dans la vie. Moi, mon moyen de décompresser, c'est de tuer des gens et de faire des poursuites de flics, voilà. J'avoue, mais c'est pas grave. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux, moi, hein? Moi, j'y peux rien. C'est... Parfois, si j'ai des problèmes psychologiques, ça arrive à des gens très bien, je vous assure. Par contre, il y a des flics un peu partout. Il faudrait que j'arrive à trouver un endroit assez safe,
Je vais éviter de m'éloigner trop, de toute façon. Ouah ! Donc, ah merde. Tourne, passe par là. C'est bien. Ah ! Exactement ce qu'il fallait pas que je fasse. Tout droit. Non ! Come on ! Hop ! C'était entièrement calculé. Salut gros. Poussez-vous, merci, bonsoir. Je passe, j'ai une voiture de flic. On les laisse passer les flics. Il y en a un qui me poursuit là pour de vrai. Genre il va y arriver et tout. Putain, ma voiture est pétée, fais chier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi hein. Hop. Excusez-moi, pardon. Je suis en train d'échapper aux flics actuellement. Enfin j'essaye en tout cas. Mais allez, tu peux pas t'arrêter à cause d'un putain de mini-muret de merde là. T'es sérieux mec? Oh là 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 là, c'est terrible. Bon. Changement de voiture. Salut. Tu ne mourras pas. Michael, tu ne mouriras pas. Tu es un survivant. Tu es un survivant. Du nouveau temps, de la nouvelle ère. Et on prend une voiture qui est un peu plus rapide et qui est pas pétée. Et on y va. Oh merde, je suis poursuivi par les... Putain d'hélico, ça va être compliqué ça par contre. Il va falloir que je la joue fino. Et pour la jouer fino, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des routes, des tours et des détours. On va passer par là. On va passer par là, puis par là. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va pas ou quoi? Oh non, mais je vais de la récupérer les gars, vous êtes sérieux? C'est relou. Vous êtes relou hein. Moi je vous le dis moi. Apparemment il y a un commissaire de police par ici. Je me casse. Eh si je prenais une moto tiens. Non allez. On va passer par là. Non mais t'es sérieux hein. Non mais t'es sérieux là. Putain de merde. Ah oh, putain de merde. Il est sérieux. T'inquiète. Tout se passe bien, tout va bien. Ils me retrouveront pas. Je suis beaucoup trop rapide pour eux. Salut, j'ai juste besoin de ta voiture. Deux secondes. Je ne mourrai pas. Merci de me donner un petit head start. Comme on est dans le milieu. Alors pas par là, je vais passer par où moi. Mais putain, mais casse-toi aussi là. Le mec il fait exprès quoi. Est-ce que je pourrais pas sauter éventuellement? Non, mais je me dirige direct vers un flic. Pas dégueu, pas dégueu. On continue. On passe par là. Putain, j'ai encore perdu une roue, mais c'est pas possible. Le mec, ça va beaucoup trop bien viser ou c'est quoi le délire là? Excusez-moi, pardon. C'est la fuite! Hop là! Ah bah non. Non mais du coup ça sert à rien si tu retombes. Faut que tu montes là. Voilà, très bien. Par là, très bien, excellent. Excellent! Est-ce que tu crois? Oui, je vais me faire capter là direct, je pense. Faut que je me casse. Putain, il y en a trop partout. Faut que je tourne à droite, vite, avant qu'il arrive. Vite, j'ai dit. Là, je vais tourner là. Il me verra pas, comme ça. Hop! Ben voilà, parfait. Qu'est-ce que tu veux qu'il me trouve ici? Ils peuvent pas me trouver ici. Et voilà, easy peasy. Maintenant je vais juste rester là. Et ça devrait être bon. Non mais c'est sérieux, il va pas me voir là quand même. Ah parfait. Bon, et bien sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit. Et à la prochaine. Allez salut.